Nous sommes ici au fort de la Malmaison, sur le chemin des Dames, où sont enterrés, ou du moins ont une sépulture, plus de 11 000 soldats allemands. C'est un fort, c'est un cimetière allemand de la Seconde Guerre mondiale. Même si c'est au chemin des Dames, ce sont des morts de la Seconde Guerre mondiale qui sont réunis ici. Donc c'est un endroit très émouvant. Les croix et les tombes sont éloignées les unes des autres. Il y a des arbres magnifiques, des hêtres, des chênes qui sont ici pour, soi-disant, comme c'est dit à l'entrée, pour que l'on n'oublie pas, pour empêcher les guerres futures. Et évidemment, vous avez le torchon à étoiles qui est là, qui symbolise ces dirigeants politiques, que ce soit ceux qui dirigent ce pays ou ceux qui dirigent ce pays, qui ont totalement oublié ceci, qui ont totalement oublié cela et qui actuellement fabriquent par dizaines des cimetières de soldats ukrainiens, de soldats russes, de soldats, si je puis dire, israéliens et de victimes civiles palestiniennes, pour sans doute que nos successeurs aient encore de ce type de cimetière où on leur dira pour que cela n'arrive jamais plus jamais ça. Voilà. C'est bien triste.